vient l'appellation Pâtes Carnaval? C'est très simple. C'est le patron qui a lancé ça dans les années 70. Donc c'est parti d'une animation avec les enfants que le patron organisait le dimanche après-midi. Il passait dans les maisons, il demandait aux gens qui voulaient participer avec eux de mettre une petite affiche à leur maison et les enfants passaient chercher des bonbons. De cette première année, de cette première édition, je vais dire, de déambulation dans la ville pour aller chercher les bonbons, s'est créée une émulation autour des enfants qui défilaient dans cette ville. Et en 77 est né réellement un premier cortège avec quelques chars qui sont venus se greffer à cette animation du patron. Depuis lors, le carnaval est réellement né et nous arrivons là maintenant à la 38e édition. Le GDOU est assez nouveau également dans le carnaval puisque nous ne faisons pas partie des carnavals rhénans, donc nous n'avions pas réellement de représentants adultes, du moins au niveau du carnaval. C'était chaque année un petit prince et ses petites princesses. Et est venue l'idée donc, il y a 12 ans maintenant, puisque nous arrivons à l'intronisation du 12e GDOU cette année, de créer un personnage. Et pour changer un petit peu, comme vous pouvez voir sur le carnaval de Marche, qui faisait partie des carnavals rhénans dans le temps, et qui a changé également un petit peu cette vision des choses, ils ont créé le Grand Mochi. Nous autres, on voulait aussi rester dans une façon un petit peu différente d'aborder le carnaval, et nous avons créé le Grand Gédioui. Donc le Gédioui, c'est tout d'abord un personnage donc, qui représente la ville, qui va un peu exporter tout ce qui se fait à Bastogne dans les cités avoisinantes, participer à différents carnavals et représenter notre ville tout au long de son règne, donc tout au long de son année. Comment choisit-on le Grand Gédioui? C'est très simple. Nous sommes 20 personnes dans le comité. Ces 20 personnes, à la première réunion, doivent apporter 3 noms. Ces 3 noms sont mis dans une urne, il y a un dépouillement. À l'issue de ce dépouillement sortent fatalement des noms qui sont répétés plusieurs fois. À partir de ces noms, nous effectuons un deuxième tour de vote. Et le GDOU remportant, enfin du moins la personne remportant le plus de voix, est élue GDOU. Nous la contactons. Si celle-ci refusait, nous passerions à la deuxième sur la liste. Mais depuis qu'il est créé, nous n'avons jamais essuyé de refus. Le GDOU le sait très tôt. On lui demande, donc il a une suite à concocter derrière lui. Donc toute une série de personnes à contacter qui vont le suivre tout au long de son année. Cette suite varie entre 25 et 40 personnes, c'est le maximum 40 personnes. Il lui faut aussi le temps de trouver ces personnes, mais nous lui demandons de retarder au plus tard cette échéance, parce que plus tôt ça se sait dans un cercle très grand, mais plus vite les fuites peuvent arriver également. Et ce qui est très bien dans les GDOU, je pense que c'est la spécificité qu'ils amènent chacun, avec leur personne, leur suite, ce qui crée autour de leur personnage, de carnaval en carnaval. Donc chacun est unique et amène cette petite touche personnelle au carnaval et surtout au moment fort du carnaval qui est l'intronisation le samedi soir. Alors, je peux dire que ce sera un GDOU, mais que ce soit un homme ou une femme, ça reste un GDOU. C'est là qu'il attrape. En 2015, notre carnaval évolue, bien sûr. Il devient très important au niveau monde, surtout au point de vue du week-end, au niveau des soirées. Le cortège, mais évidemment, a progressé également. Les groupes locaux ont fait énormément d'efforts par rapport à leur réalisation d'année en année, ce qui en fait un cortège très très beau. Nous travaillons également dans le cortège avec des groupes allemands, des groupes hollandais, des groupes français, donc nous invitons pas mal d'étrangers. Nous avons également, depuis quelques années, depuis 7-8 ans maintenant, un jumelage avec la ville de Rhino en France. C'est un groupe qui vient chez nous depuis ces années-là, et chaque année nous retournons chez eux aussi, 15 jours après notre carnaval. C'est le carnaval chez eux, qui est un carnaval un peu spécifique aussi. Le cortège s'effectue en nocturne. J'ai dit oui en 2008 pour moi. Ça a été le couronnement du lancement du carnaval. On était les premiers à le lancer. Et en 2010, moi, j'ai dit oui, c'était d'abord découvrir le carnaval, parce que je ne faisais pas partie d'un groupe carnaval. Et puis ça a été extraordinaire, parce qu'on est un peu le roi de la fête. Et on anime tout le monde, on a une équipe derrière nous qui nous permet de mettre le feu dans le chapiteau, et puis alors on découvre le carnaval à travers tous les autres carnavals de la province, et on vit une nouvelle vie, la vie des carnavals. Les gens étaient heureux, ils criaient. Dans mon quartier où j'habitais quand j'étais jeune, les gens criaient « Ah, la feuille du quartier, reine du carnaval !» C'est quelque chose d'inoubliable. On se sent vraiment reine du cortège. Tout le monde nous applaudit. C'est quelque chose d'inoubliable, de formidable. Pour être GDOU, il faut d'abord être actif dans différentes associations. Il faut pouvoir faire la fête. Il ne faut pas faire de politique, surtout. C'est interdit. Il faut habiter Bastogne, de la commune. Et puis après, on reçoit un coup de téléphone un soir, on ne s'y attend pas. Et puis c'est le comité qui nous demande d'être GDOU. Et
ma foi, nous, on a dit oui. Il y a eu un superbe spectacle pour le 25e anniversaire du Pas de Carnaval. Là, c'était un collaborateur de Franco Dragon qui a monté le spectacle. Et ce jour-là, on a baptisé les deux jeunes géants, Fifine et Tanta. C'était un spectacle d'une grandeur formidable. Tout le monde a participé. Il y a eu des oiseaux qui animaient le spectacle, un super feu d'artifice. C'était vraiment la fête. Ce sont les géants de la ville de Bastogne. Il y a comment, Trouffet, le papa, et Marie-Jeanne, la maman. Et là, on a créé les deux plus petits, Fifine et Tanta, qui sont venus les rejoindre pour le 25e anniversaire du Pas de Carnaval. Dans les géants, je poussais le clown, parce qu'on a des géants supplémentaires lors des carnavals. Il y a un clown, et là, je suis à l'intérieur avec Tulle, de chez Piette. Et à nous deux, on s'amuse très bien dans le clown. On rencontre les gens ne nous reconnaissent pas. Nous, on les appelle par leur prénom. Et les gens sont toujours étonnés de voir un géant qui parle. C'est quelque chose de formidable. Des souvenirs, j'en ai chaque année. Et je ne peux pas dire qu'il y a un carnaval qui marque plus que les autres. Ce qui est original chez nous, les GDOI, c'est qu'on n'a pas le cérémonial d'un prince. Et chaque GDOI met sa petite touche. Et chaque année, on a des surprises. Chaque année, le GDOI essaye de mettre sa touche par un spectacle, par une mise en scène, pour son arrivée dans le chapiteau, etc. Donc des souvenirs, ils sont différents chaque année. Ils sont tous aussi bien l'un que l'autre. Oh, c'est à boire, à boire, à boire. C'est à boire qu'il nous faut. Oh, 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 oh. Les femmes. Non, que Dieu dit la servante, leur face à leur goyon. Articuler, souriez, bien que sourire. Ils arrivent à leur ventre alourdi de fruits et bâtons. Ils viennent du bout du monde apportant dans les gueules des idées vagabondes aux yeux bleus de mirage. J'aimerais que la bouillie se lit en vivant de mort. Les Tchot et Bruges. En fait, c'est une chorale d'ambiance et de fête, principalement créée pour le grand feu de Beauvais. Qu'est-ce que c'est au fond de cette boîte? Chante les sardines, chante les sardines.